c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors j'avais besoin un petit peu d'aide aujourd'hui, donc j'avais envie de parler, ou pas. Des fois j'ai pas envie de parler. C'est un peu compliqué. On est tous un peu pareil, on est cyclique. Parfois on veut parler, parfois on veut pas parler. Des fois parler peut aider. Me concernant, Yep Papote Point Global est devenu un peu spécial depuis quelques années, puisque face à la difficulté sociale et aux difficultés sociales, on a tendance à beaucoup se renfermer, et je crois que j'ai tendance à beaucoup me renfermer également. J'ai l'impression de me protéger comme ça, en fait. J'ai l'impression que au moins, il m'arrivera plus rien si je m'isole et que, voilà, j'évite surtout de parler. Puis des fois, tout simplement, ben, j'ai pas la force, en fait, de parler. Alors, quand on n'a pas la force de parler, comment faut faire? Je sais que le sport aide. J'agis beaucoup avec le sport, j'essaye. J'essaye de me faire violence, mais depuis plusieurs années, rien n'y fait. Difficulté d'emploi, difficulté de logement, des problèmes de défense de droits, de liberté, un manque de respect vis-à-vis des femmes, puis des séances et des séquences de ma vie très difficiles, certainement qui marquent ma mémoire. Donc j'ai l'impression que tout m'accable, mais pour autant, je sais que d'autres ont des peines bien plus fortes que moi. Donc j'essaie de me forcer à avancer, mais le naturel revient au galop, et quand on n'est pas bien, on a tendance à se cacher. Et moi, j'aime pas montrer quand ça va pas, donc j'ai tendance à me cacher, comme font énormément de gens, je pense. Alors pourquoi faut parler? Parler permet d'évacuer, mais si vous avez déjà consulté des psys, vous pouvez parler pendant un an, mis à part ressentir l'humiliation pour ma part et la honte d'avoir pu parler pour une fois. J'ai pas plus avancé, j'ai pas forcément été plus conseillée, donc je garde ces consultations en tête comme un traumatisme qui m'a rappelé des choses horribles, remonter des choses horribles en tête et qui pour autant ne m'a pas forcément aidée. Donc parler, ne pas parler, là j'ai eu envie de parler, donc je parle. Voilà, à chacun de voir comment il peut se soigner et comment il peut améliorer ses conditions de vie. Mais je pense que dans tous les cas, il faut se soutenir, avancer ensemble et ne pas se laisser démonter, même si c'est très très dur. Très difficile d'être une génération Y et de vivre dans ce siècle. Voilà. Mais il faut garder le sourire et avancer tous ensemble. Essayer du moins, je pense. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas pour de nouvelles aventures et surtout prenez soin de vous. Voilà. Et faites attention à vous surtout. Je vous dis à bientôt.